c'est lancé! Excellent! Exactement. C'est parti, moi je te coupe, je te foute. Voilà quoi. Bonjour. Bonjour à tous, c'est Kevara et Mana. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live. Comment vas-tu, mon petit Kevara? Eh ben, ça va très bien et toi? Ah, moi, je suis, tu nous as fait des petits pupitres. Ouais, voilà, c'est... il s'est lâché, hein. Kevara, il s'est lâché. Vous lui donnez les rênes du stream et voilà. Et voilà où est-ce qu'on en est derrière nos petits pupitres. J'espère que vous allez bien. Nous sommes apparemment dans les bureaux d'Ubisoft. Je n'avais pas vu, mais effectivement. Exactement. Exactement. Il est fou, ce Kevara, c'est magnifique. Attends, je regarde, tu es où? Si je regarde là, je te vois, ou si je regarde plutôt là, c'est à droite ou à gauche de moi? Ah, là, on voit mon micro, donc oui, il faut que je regarde du côté de mon micro. Exactement. Et comme ça, ça donne l'impression que toi... Hé, hey, comment vas-tu, Kevara? Tu vas bien? Ça va et toi? Comment tu vas? C'est génial. Moi, je suis très très chaud, là. Je suis déjà en train de relancer des quêtes, hein, parce que, évidemment, nos petits guildies, j'avais lancé deux quêtes, la quête économe et la quête... Maître de l'invocation, ils ont déjà tout défoncé. Non, mais c'est des fous. Hein. Donc, mais je suis sûr que Petit Dragon, il a fait la moitié à lui tout seul. C'est sûr. Mais oui, non, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus. On dirait des évangélistes. C'est ça. Les amis, louons RN Jesus aujourd'hui et que dans sa grande bonté, il nous couvre de bienfaits et de catnat, évidemment. Ah, j'espère que vous allez bien. Il faut nous dire, hein, les amis, si vous avez invoqué. Qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu de la chance? La télé Jiraya, oui, exactement. Oui, la télé Jiraya. Voilà, voilà, c'est Kev. Hein, il... c'était un petit coucou à notre ami Gigi. tu dis ça parce qu'il te supporte plutôt toi que moi dans cette oui, summon. Mais, aussi. on est quand même là aujourd'hui pour un summon contest. Hein. Les amis, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour se mêler. On va tabasser. Hein. Kevara contre moi. Ah, bon, déjà a-t-il seulement une chance? On va bien voir. On a mis un petit barème, évidemment, pour un petit peu évaluer hein, la qualité de cette summon. Donc, pour faire simple, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Un Kabir, le nouveau monstre 2 étoiles, vaut 1 point. Ok? Un 3 étoiles, n'importe lequel d'autre, vaut 2 points. Une Yuki Onna vaut 3 points, un Katnat vaut 4 points, et un Panda vaut 5 points. C'est vraiment pas compliqué. Et du coup, en fait, ce barème ne fera pas énormément de différence en fait, entre les points, donc on a toujours le moyen de remonter. Exactement. Alors, Shtoka a déjà invoqué 140 pierres épiques, 29 éclusives, 3 légendes, 5 Nat 4, dont le Panda Feu est haut. Oh là là, Shtoka, mais non, mais c'est du délire. Eh ben, écoute, Kevara, avant de commencer la summon, je te propose qu'on aille peut-être regarder un petit peu. Voilà, un petit peu, ouais, bah voilà. Et les amis, il faut contribuer à la quête de guild à nouveau, hein, parce que vous l'avez défoncé. Ouais, là c'est compliqué. Hein. on va aller regarder justement ces nouveaux monstres, et maintenant qu'ils sont dans le bestiaire. Moi, je passe sur la scène. Sur la scène de combat. Attention, vous voyez. On passe sur le ring. Tac. Et tac. Voilà. Oh, c'est magnifique. Ah oui, bon. Non, c'est pas magnifique du tout. Oui, c'est parce que. Regarde-moi ça. Fallait que je mette en plein écran. Oh là là. Ah, bon, ça va. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est pas du tout centré, hein, ton. Ouais, je sais. Je sais que mes cabires sont pas centrés. Attends, je vais mettre ça au milieu. Tac. Ouais, non, mais c'est de l'impro. Hein. Moi, je suis toujours en improvisation. Voilà, tout ça, tout ça. Regardez-moi ça, ce qu'ils ont fait dans la quête de guild. J'ai lancé hein, tout à l'heure deux quêtes de guild, hein, donc évidemment le économe et ouais, maître de l'invocation. Et voilà, en moins d'une heure, elles ont été finies les deux. J'en peux plus de ma guild, ils ont vraiment démonté ces pauvres missions. Ils ont défoncé. Donc les amis, il faut aller contribuer, hein, il faut aller contribuer. J'ai relancé que économe 2, parce que je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui doivent invoquer. Mais par contre, j'ai remis un maître de l'invocation 3. Il faut contribuer avant qu'on commence avec Kev. Ça serait sympathique. Alors, Kev, je vais up perso juste en haut. Ah, c'est cool. Kev, ah, il paraît qu'il manque le Peggy 18. Ouais, il manque le Peggy 18, paraît-il. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller regarder ces nouveaux monstres. Bah, je pense que vous êtes déjà allé les regarder avant. Mais on va les regarder, voir un petit peu qui nous ont réservé. Hop, voilà, ces petits cabirs. Ces petits cabirs, Kev, t'avais fait justement un stream où t'avais parlé de l'origine hein, des monstres. C'est ça. Et du coup,
D'où ils viennent ceux-là? Tu peux nous dire? Alors ils viennent de Might and Magic 6, si mes souvenirs sont exacts, parce que je t'avoue qu'il y avait tellement d'informations à traiter dans ce stream-là que... Oui, 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 effectivement, tout, je crois qu'ils viennent de Heroes, je crois qu'ils viennent de Heroes of Might and Magic 6. Ça. Exact. Et ils du coup, sont c'est des, fort sympathiques. C'est, ouais, en plus ils ont été remis au goût du jeu graphiquement et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très très classe. Alors moi j'aime bien le Terre. Parce qu'avec sa lanterne verte, comme ça, on dirait un Green Lantern. Sérieux, regardez ça! On dirait un Green Lantern, je suis navré, hein, si, pour ceux qui connaissent un petit peu le comics, on dirait vraiment un Green Lantern, quoi. C'est génial. Ah, j'avoue, les... Oui, je vois tout à fait. Je vois tout à on fait... On va regarder la version... Hop. Oh, l'évolution. Ah ouais, la version Awake, enfin, la version évoluée... Belle. La lanterne, c'est pas la même chose. Hein. On est sur de la lanterne du futur. Là, on est clairement sur du Green Lantern. Esthétiquement, le vent, je le trouve plus beau. Voilà. Esthétiquement, il vole tout seul. Ah, le vent, il est chouette. Ouais. Le vent est très joli. Le haut, ok. Le feu est sympa aussi. Le feu est sympa. Ouais, le feu est sympa. Le vent est très très. On va regarder un petit peu les skills. Qu'est-ce que t'en penses? Bah vas-y, moi j'étais en train. Team Red Lantern, la haine vaincra. Bénichou, c'est un serviteur de la haine. Ouais, Bénichou, il est méchant. Ouais, il est chaud sur les comics apparemment, Bénichou. Attention. Alors, regardons un petit peu ces skills. Alors, le skill 2, attaque un ennemi et implante un parasite. Un parasite 2 étoiles, les amis. Oh là là. C'est énorme. Qui dévore 10% de la probabilité, plus place en plus, c'est exactement le même parasite que les 4 stars. C'est énorme. Alors attention, c'est pas mal. C'est un ennemi et c'est pas AOE. Oui, heureusement. Attention, mais on a un monstre, 2 étoiles, qui pose un parasite, quoi. C'est juste énorme. Le skill 3, attaque un ennemi proportionnellement à la vitesse du lanceur, très bien, et le terrifie pendant un tour, très bien. Si l'ennemi ciblé a 4 points de focus, tous les ennemis sont aveuglés pendant 2 tours. Ok, on voit qu'il pose du focus hein, sur son skill 2 et il grille le focus sur son skill 3. Et mais 4 focus marques. Mais 4 marques. Attends, parce que j'ai des... Il pose 2 points de focus avec son skill 2. Je vais enfin pouvoir parasiter les boss en tot. Et blinde tous les ennemis en plus. Putain, c'est fort. En tot, il va être énorme. Ça peut être un monstre. C'est le parasite. Bon, le parasite mono-cible, c'est un peu embêtant, mais justement, en tot, vous avez qu'un ennemi, c'est le boss. Vous lui balancez le parasite dessus, vous êtes refait. Bon, bah, très bien. God tier. Il joue avec la flamme, Gélan. Ah, il prend la flamme, il joue avec, c'est génial. C'est génial. C'est quand même un blind AOE 2 tours. Hein. Blind AOE 2 tours, c'est fort quand même. Sacrément fort. C'est... Très bien. Bon, bah, moi, je crois que celui-là, déjà, il est. Validé. Ah, putain, alors le vent, star, hein. le haut. Ouais, le haut. Attaque un ennemi et lui inflige folie. Il est alors forcé d'attaquer ses alliés ou lui-même. Place ensuite 2 points de focus. Très bien. Folie, c'est sympa. Hein. C'est la folie. Bien. Moi j'aime bien, je valide. T'en penses quoi? Les focus marques, je sais pas ce que c'est. Et ça bah, les focus marques, c'est la nouvelle, ce qui va permettre la ensuite d'utiliser. C'est la nouvelle mécanique, exactement. Okay. Ils ont certains skills qui posent des marques de focus sur les ennemis, et ensuite les monstres peuvent avoir un skill augmenté s'il y a assez de focus marks sur les ennemis. Quoi. Okay, okay. Et là justement tu vois, attaque tous les ennemis et réduit leur résistance pendant un tour. Si l'ennemi ciblé a 4 points de focus, draine ses points de vie de tous les ennemis pendant 2 tours à hauteur de 75% de l'attaque du lanceur. Oh, c'est pas okay. mal. Oh, anti-cleave. C'est si il y a de la focus mark, donc en fait, non, en fait, c'est de la merde. Je dis de la merde. Je sais pas ce que sont les évolutions, par contre. Ce sont les évolutions du skill 1. Par contre, on a des monstres bien rapides. Hein. On a 80 de vitesse sur lui. On avait combien J'ai pas regardé. J'ai pas regardé la vitesse. 73 sur le. 77 sur le feu. Ouais, ça reste 77 sur le feu. Ok. Alors le vent maintenant. Le vent. Hop, le skill 2. Attaque un ennemi et réduit sa défense pendant un tour. S'il a 2 points de focus, il est étourdi pendant 2 tours. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Étourdi pendant 2 tours, c'est pas mal. Et ça ne coûte que 2 points de focus. Après, donc, faut voir si aussi on peut avoir des points de focus sur l'auto-attaque. Oh, ah, peut-être. Si on peut avoir des points de focus sur l'auto-attaque. Le skill 3, ça attaque tous les ennemis et les ralentit pendant un tour. Ça, c'est très bien. Hein. Puis il leur inflige
4 points de focus. 4 points de focus, c'est ouais. Pas c'est pas dégueulasse. 4 points de focus. Après, 6 tours de CD, je suppose que t'as au moins, ah, c'est un peu long, hein. Au moins 2 tours de réduc avec les skill up. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas pourquoi mal. Pas. Pour le moment, pour moi, c'est le feu. Le feu ouais, est le god feu, tier. Le feu est vraiment god. Hein. Le feu est vraiment god pour un ah, deux-star. Le feu, il est. Mon il est dieu, non. Quoi. Allez, le terre. Inflige folie à un ennemi qui est forcé d'attaquer ses ennemis lui-même. Et retire 3 effets bénéfiques qui bénéficient. S'il a 2 points de focus, il est frappé de confusion pendant le tour. Oh putain, toujours plus. Quoi. C'est, ça fait beaucoup. Oh, mon dieu, ça fait beaucoup pour un skill. Réduit l'attaque de tous les ennemis pendant un tour et leur résistance pendant un tour. Fiche 4 points de focus. Ok, ok. Après 5 tours de CD. Voilà. Alors pour moi, clairement, le vainqueur dans la famille Kabir, c'est le feu. Hein. Le feu est quand même juste énorme. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est de loin mon préféré. Ah, j'aime bien le terre. Je rejoins Benichou du coup dans la team. La mécanique peut être pas mal hein, en vrai. Dans la team de la haine. Je pense que le terre peut être pas mal en CD. Ah, Shtoka, l'Evo, c'est attaque qui augmente en fonction de la vitesse ou des HP max. Ah, purée, c'est bon, pas inintéressant. Ça, c'est deux bonnes évolutions. Ouais, hein, c'est OP quoi. Surtout oh, sur le feu, le feu scale sur la vitesse en plus. Lui, il me le faut, c'est clair. Ah, le feu. Pourquoi c'est un 2-star, c'est pas si compliqué à obtenir. C'est un 2-star, les ça, amis, c'est cool. Qu'un 2-star. On va aller jeter un coup d'œil au Yuki Onna maintenant. Ouais. Alors. Les Yuki Onna, j'en attends beaucoup. Hein. En vrai, attends beaucoup, parce que c'est quand même un personnage mythique, quoi. C'est un personnage que t'aimes bien, donc. C'est un personnage que j'adore. Les Yuki Onna, en général, genre dans la mythologie japonaise, j'adore les Yuki Onna. Elles sont. Déjà, je vois les mêmes, les mêmes images ouais, de skill. C'est la même que c'était Heroes 7, je crois, Heroes of Might and Magic 7. Oui, bah, elle était pas vraiment comme ça. Elle était beaucoup plus grande. Elle faisait un peu beaucoup plus âgée. En fait. Ah ouais, là comme ça, elle est sympa. En forme non évoluée, c'est pas terrible. Par contre, en forme évoluée, elles sont jolies. La vent en particulier est très 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 jolie. Esthétiquement. Oh la haut, ouais, oh, la haut quand même. Ah. J'adore. De toute façon, Yuki. Bon, alors, je vais dire un truc. Hein. Je suis navré, je raconte ma vie, mais en fait, vas-y, ça me rappelle mon mariage. Oh, c'est beau. Ça. En fait, avec ma femme, on adore le Japon. Et quand on s'est marié, notre mariage était sur le thème du Japon. Et sa robe avait été faite à partir d'un kimono. Un kimono traditionnel de mariage japonais. Qui avait beau, été voilà qui avait été transformé par un couturier un couturier et donc il en avait fait une robe moderne sur la forme d'un kimono traditionnel de mariage et ça ressemblait un peu à ça mais en rose stylé. C'était magnifique donc voilà je raconte ma vie hein, c'est pas grave c'est stylé. On va j'adore. Acheter un petit coup d'œil mais t'as remarqué oui. Que déjà au premier coup d'œil, les skills de la Yuki Onna ont les mêmes images que la druide feu. Ouais, ah oui. Ça je dis rien. Et puis là, regarde, et ça c'est le géant. Ça je connais pas. Et ça c'est le géant terre. Ça c'est le géant eau. Et ça c'est la druide. Et le géant R aussi. Le géant R sur. Ah, mais moi je l'ai pas. Le skill 3, c'est pas. Je crois que c'est le même. Je crois que c'est la même image. Mais bon. On va regarder les skills. C'est des saboteurs, hein, déjà. Voyons voir. Ouais, attaque déjà. Un ennemi et l'empêche de bénéficier des Ah non, c'est pas tous des saboteurs. Tours. La haut et la terre sont des supports. Place en Suisse, 2 points de focus. Ça pose aussi des focus. Hein. Ça pose aussi des focus. Et c'est un bloc buff de 2 tours. Ouais, c'est un anti buff, c'est pas mal. Réduit la défense. Et l'attaque pendant un tour, si l'ennemi est ciblé par 3, il est paralysé pendant 2 tours. Waouh! Ok. Oh, c'est fort. C'est ouais, fort. C'est un skill 3. Après, faut voir les cibles. Ah non, c'est tous les ennemis. Oui, c'est tous les ennemis. Hein. C'est tous les ennemis. C'est pour tous ça que les ennemis et 3 points de plus. Oh, ça va être un peu complet. Mais. Bon, ok. Alors, la Yuki Onna de glace. Attaque un ennemi et augmente les effets curatifs reçus. Par tous les alliés pendant 2 tours, rapporte ensuite 1 point de concentration. Ah, elle, c'est pas du focus, c'est de la concentration. Ouais, c'est la concentration. C'est intéressant. Donc ça, c'est le premier mob, entre guillemets, qu'on voit qui a de la concentration. Ouais. C'est pas mal. Attaque un ennemi et augmente les effets curatifs reçus par tous les alliés. Ok. Bon, très bien. Alors elle, c'est un support, hein, évidemment. Rend 20% des points de vie du lanceur à tous les alliés et applique un bouclier qui les protège à hauteur de 10% de leur maximum de points de vie.
pendant 2 tours. S'il lanceur a 3 points de concentration, immunise tous les alliés contre les effets négatifs pendant 2 tours. Ça, c'est... Waouh, ça, c'est fort. Après... Ça, c'est très très fort. On a un point de concentration. Un gros support. Hein. Un pur gros support. Hein. Après, c'est minimum 3 tours pour avoir le skill 3. Quoi. Enfin, pour avoir l'immunité. Quoi. Ouais. C'est pas mal. Faut voir c'est si on en a sur le contact. Mais ouais, c'est quand même pas mal. Et je pense en raid, justement, mal, sur la dernière vague, tu mets tout le monde à un point de vie. Le heal flat comme ça, c'est très 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 important. Donc, pas, ouais, c'est clair que c'est pas mal du tout. Ça fait un bon support 3 stars, c'est cool. Ah bah, c'est clair. C'est clairement. Alors, c'est un saboteur, celle de vent. Ouais. Le skill 2, qu'est-ce qu'il dit ? Attaque un ennemi, il empêche de bénéficier d'effets curatifs pendant un tour, place ensuite 2 points de focus. Donc encore des, okay, des points de focus. Voilà. Attaque tous les ennemis et réduit 40% leur barre de tour. Ouh. Ça, c'est si pas l'ennemi a 3 points de focus, le délai de recharge des ennemis augmente de 2. What okay. the fuck. Ouais, mais attends. Ah, bah parce oui, qu'il c'est, y a quand même c'est un truc. C'est le réduit les CD qui sont déjà en cours de réduction, peut-être. Exactement, c'est pour ça que je trouve ça dommage. Moi, ça me fait le même coup avec mon Rakshasa R, ouais. qui, vu que les cooldowns, va, il attaque en premier, mm-hmm. vu que les ennemis n'ont pas utilisé leur cooldown, bah du coup, cet bah, ouais, aspect-là, coup, ça sert à rien, gagne une. Enfin, voilà, ça sert à rien. Et ça, ouais. je trouve ça très dommage. Je pense que ça devrait pas être. Je pense que ça devrait pas être comme ça. Donc, à voir s'il le corrige. Mais pour le moment, je trouve pas ça super sûr. Merci beaucoup, Soka. Pour les Yuki, les vos skills, c'est augmente la barre de tour de 20% ou la diminue de 20%. Et pour les pandas, c'est augmente la def pendant un tour et gagne un voile cristallin qui renvoie les effets négatifs. Renvoie les effets négatifs pour un tour. Ah, c'est fun ça. Voile cristallin sur, sur skill 1. Sur auto-attaque, putain, c'est fort. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. La terre, Yukiuna de terre. Le skill 2 rend 40% des points de vie du lanceur à un allié et l'empêche de subir des dommages pendant 2 tours. Rapporte ensuite 2 points de concentration. Ah, ça, c'est pas mal. Pas mal du tout. Hein. On est reparti sur du soutien sur elle. Ouais, c'est un gros soutien. Pour le coup. Et augmente la défense de tous les alliés pendant 1 tour et les effets curatifs dont il bénéficie pendant 1 tour. Si le lanceur a 4 points de concentration, rend 20% des points de vie du lanceur à tous les alliés. Oh, ouais, c'est sympa. C'est pas mal du c'est tout. Sympa. Hein. Ça, ah, c'est pas mal du ça tout. Ça fait des bons supports. Hein. La eau et la terre sont vraiment pas dégueulasses en support. Ouais. Très clairement. Et la, bah, la R va être complètement pétée en PVP, je pense. Alors, et maintenant c'est très sympa. Allez, les petits pandas. Attention les derniers. Les derniers. Les derniers, ils sont beaux. Les 4 nattes. Oh, le feu. Ils sont magnifiques. Oh, pas mal. Oh, c'est le feu, c'est les images du Rakshasa. Bref. Ah oui, c'est juste. C'est juste. Ça aussi, c'est le Rakshasa. Oh là là. Et la version Awake, enfin évoluée. Avec il a tellement de flow quand il est évolué. Double lame. Ouais, non mais. Waouh. Pour toujours plus de plaisir. C'est la ça. Petite gourde, évidemment, hein, les pandas, elle... à boire. Ça évidemment. Ça, y a pas de problème. C'est comme ça, du saké. C'est du saké, évidemment. Et le petit bandeau Rambo. Plutôt c'est plutôt saké chaud ou saké froid Aucun des deux. Oh. Même moi qui bois pas d'alcool, j'ai du mal à résister à un petit saké chaud, oh là je dois là. Avouer. Bravo. Alors, on va regarder un petit coup leur skill, et puis ensuite, eh ben, les amis, on ira invoquer, évidemment, skill La lance du haut et du vent ont quasiment la même couleur. Vraiment quasiment. Bref, ça ouais, détaille. Sauf pas du tout, en fait, pas du tout. Mais si, quasiment, c'est un bleu, quoi. Attaque tous les ennemis, proportionnellement à la défense du lanceur. Ok, parce qu'on a vu qu'en plus il se buffait défense peut-être sur l'évolution. Augmente l'attaque du lanceur pendant 2 tours et le nimbe pendant 2 tours d'une maille de cécité qui confère 50% de l'aveuglé, gna. Rapporte ensuite 3 points de concentration. 3 points de concentration sur un skill 2, what the fuck quoi. Ouais, mais c'est un skill 2 qui a 5 tours de CD quand même, hein. Ouf. Ouais. Ça fait long. Mais en même temps, il fait tellement de choses. Ouais. Le skill 3 attaque un ennemi. Réduit sa défense. Ah, il attaque un ennemi, mais réduit la défense de tous les ennemis. D'accord, et augmente la défense de tous les alliés. Oh là ensuite, là. Si le lanceur a 5 points de concentration, ah oui, l'ennemi est maudit. 55% des points de vie sont désactivés pendant 3 tours. Par contre, t'as cessé de tour pour le coup. Ouais, d'accord, là ça. Et je pense qu'il y a qu'un seul tour de CD en skill up, je suppose. Rigole pas, ça ne rigole pas du tout. Ouais, là, ici. Waouh. Sur les skills. Ah ouais, là, ouais, c'est juste le feu, hein. Wow.
J'ai un set en drain de vie avec des stats de def. Voilà, faut que je chope ah, un ça peut panda être très maintenant. sympa. Hein. Ça fait encore un break def AOE, hein, c'est pas mal. Hein. Enfin, un break def AOE. Hein. Alors, Shoka nous dit que le panda feu, le skill 2 passe à 4 tours et le skill 3 à 5 tours. Oh là là. Ok, putain. Ok. Pas mal du tout. Bon. Le panda haut maintenant. Ouais, moi, tiens, je vais regarder leurs stats au passage. Ouais, bonne idée ça. Attaque un ennemi proportionnellement à la défense du lanceur qui a alors 50% de chance de contre-attaquer pendant un tour et gagne 3 points de concentration. Ah oui, c'est vrai que c'est des camions. C'est des camions. Ouais, c'est des camions. Le je feu pense, à hein. 66, dans... le haut 67, le vent c'est le plus rapide 74 et le terre 66. Ok. C'est des camions. Alors c'est là, des camions. Là, par wow. contre, les stats de def elles sont insane. Rends tout. Les autres alliés invisibles pendant deux tours. Attends, oh là là, ça y est, l'invisibilité qui arrive. Sur ça fait tellement de temps sur le haut. Ça ah fait oui, tellement de temps que j'en parle. J'en parlais, mais il y a des années sur Summoners War que j'aimerais bien voir un skill qui rend les alliés invisibles. Et bah le tours, voilà. Deux tours, c'est fort quand même. Invisible pendant deux tours, augmente la défense du lanceur pendant deux tours et le protège par un voile cristallin qui renvoie les skills. Par contre, si t'as 9 points de concentration, invincibilité deux tours sur tout le monde. Il devient invincible pendant deux tours. Ah, c'est lui? Oh là là. Parce que moi, je vois Gets Invisibility, donc on sait pas trop. Hein. En anglais. Moi, je suis en anglais. Génial. Moi, je suis en anglais. L'invisibilité, je trouve ça génial. Ça, c'est cool. Ça, bah, je suis content de voir ça apparaître vu, dans un jeu, quoi. À partir du moment où on a vu la furtivité sur le boss de raid, on oh, pouvait penser que... Oh, excellent. C'est génial. Allez, le skill 2 du panda vent cette fois-ci, attaque tous les ennemis et applique un bouclier corporel à tous, à oh, tous les autres ennemis pendant un tour, applique ensuite inversion pendant deux tours. Si le lanceur a 3 points de concentration, il est protégé par une armure de ronce. Oh là là, bah alors lui il va être ultra relou, hein. C'est maximum de points de vie mon Dieu. Pendant deux tours. Après ça c'est la côte de maille, c'est que, enfin la côte d'épine pardon, c'est ouais, que quand, armure de ronce, ouais. Quand il a 3 points de concentration. Ah, c'est bien l'armure de ronce, c'est, hey, mais c'est un passif. C'est vraiment... Ah non, c'est pas le passif. Non, c'est pas un passif. Non, c'est pas le passif. C'est le skill 3 qui est un passif. Ouais. Et il rapporte 1 point de concentration à chaque attaque, 70% de remplir, 30% de la barre de tour du lanceur à chaque tour. Ok. Plus. Ok, très ah, c'est bien, pas mal, très bien. C'est pas mal du tout. Ouais, surtout qu'il a besoin que 3 points de concentration finalement ah, ouais, pour profiter ça. De son skill 2. Ah, c'est pas mal. Il est complètement insane, donc c'est sympatoche. C'est sympatoche. Et le. Terre. Alors, le petit terre attaque un ennemi proportionnellement au maximum de points de vie du lanceur et le réduit au silence pendant un tour. Le lanceur a ensuite 50% de chance d'esquiver les attaques et gagne 5 points de concentration. What? Comme ça. À chaud. Comme ça. Boum. ok, alors le skill 3, ça doit être un truc qui doit coûter 5 points de concentration. Voyons voir. Attaque tous les ennemis et pose une bombe sur l'ennemi ciblé. Oh. Encore un bomber. Ah ouais, mais c'est sur l'ennemi ciblé, hein. Ouais, c'est à ce moment-là. Qui subit 3 fois l'attaque du lanceur après, parce que le problème c'est qu'on peut pas cibler en raid hein, lors de la première vague. Donc, ouais. Si le lanceur a 7 points de concentration, il pose une autre bombe. Ah oui, ah, d'accord. Plus. Qui inflige à tous les détruits sont ensuite réinitiés au bon. D'accord. Donc, soit. What? Ouais. What the là, fuck? On a le choix. Il y a un menu. Voilà, il y a le oh, menu mais what the focalisation. Fuck. Bah non, focaliser. Tu peux choisir. Soit tu poses une autre bombe. Soit tous les délais de recharge sont réinitialisés et il obtient un nouveau tour. Normal. C'est ok. Ouais, c'est pas dégueulasse. C'est énorme. C'est vraiment ouais, c'est, pas il dégueulasse. Il est pas dégueu celui-là. Il est pas dégueu du tout. Ouais, il a l'air super sympa. Quoi. Bon, très sympa tout ça. Où est-ce qu'elles en sont nos quêtes? J'espère qu'elles sont lancées, purée. J'avoue que je sais pas. Je t'avoue que je ne sais point. Alors, bon bah tant pis. Hein. Ouais, non, elle est hop, pas. Hop, je vais lancée. La contribuer, ça va me coûter 1000 sauts. Voilà, hop, c'est fait. Allez! Alors! Le mal. On va aller. On est parti pour la semaine, mon petit Kemara! Ah, on est parti chaud. Pour la semaine. Moi, faut que chaud. Tu me dises combien t'en as. Parce qu'on va essayer d'en je te faire dis, autant. J'en ai à peu près 150, à peu près. Non, mais me dis pas à peu près 150. Dis-moi. Ah, tu peux pas le savoir exactement, c'est ça le problème. Oui, non, avec on le 99 plus. Mais si, tu peux. Tu vois pas qu'il y a un petit cadre. Regarde, ah oui, un petit 133. Cadre au-dessus de ma tête. Pff, full bouteille, le type. 133.
D'accord, donc tu as 133. Ça fait 133, pierre épique. 137. Et ben moi j'en ai 183, donc du coup il faudra que, j'arrive à 50 pierres et on aura fait autant de pierres épiques. Et ensuite on ira sur les légendaires. T'as combien de légendaires? J'ai deux légendaires, j'en ai un avec des morceaux et un. Deux légendaires. Et ben parfait. Voilà. Donc 133 pierres épiques et deux pierres légendaires. Exactement. Et ben voilà, ce qu'on va faire pour que ce soit équitable, les amis, c'est que je vais faire exactement le même nombre de pierres épiques et légendaires que Kevara. Ensuite, on ira récupérer ce qu'on aura obtenu avec l'event Festival d'Invocation. On continuera à invoquer ça, mais on invoquera le même nombre. Et quand il aura fini cette invocation, c'est là qu'on verra qui aura été le meilleur, mon petit Kevara. Ouh là là, attention. Tiens, d'ailleurs, je prends mon petit cahier avec mon stylo au cas où. Ah bah vas-y, parce que tu vas afficher les points. Hein. C'est Kevara qui host, hein, donc c'est lui qui a la responsabilité des compteurs, les amis. Comptez pour nous, hein. Vous comptez pour nous. Comptez pour Mana, parce que moi, à la rigueur, je vais compter moi-même, mais je peux pas compter les deux en même temps, c'est pas possible. Ça va pas être possible, à mon avis. Et puis en plus, je sens qu'il va essayer de me gruger, donc comptez pour moi. Faut pas le dire. Bon alors, t'es prêt? On est parti pour les pierres? Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez, moi, il faut que je m'arrête à 50, hein, je le sais, donc... Faut que je m'arrête à zéro, donc ça va. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, dans tes pierres? T'as bien une petite wishlist? Kabir. Rien du tout. En vrai, Kabir. Kabir. Allez. Allez. Allez, premier proc. Allez, boum. Un kappa. Oh, ok. Ça me fait... T'as eu ton premier proc? Ouais, premier proc. GG. Ah bah oui. Deuxième pierre proc, moi, tu crois? Ça fait déjà 2 points pour lui, quoi. Oh, putain, mais moi, j'ai aucun écart. Surtout, faut faire gaffe si on a les Kabir, parce que... Ah oui, parce que comme c'est Kabir des deux stars, on va avoir point. Tendance à les skip. Sans ah, il faut attention. Pas les skip, tu rigoles. Ok, moi, dans ma wishlist, allez, première étincelle, boum. Ouais, super. Dans son La déception. Bonsoir, deux la déception. Points pour moi. Allez, 2 points pour moi. Moi, ce que je veux, c'est un hiérophant de terre. Je veux un hiérophant de terre, je veux un vampire eau, et puis après, évidemment, les nouveaux monstres, oui, et je serais ravi. Mais, voilà, Kabir, hiérophant de terre. Kabir feu. Oh, Kabir feu. Kabir feu. Mais non, Kabir... j'ai... Kabir feu direct. Ah, GG, ça, c'est tellement bon. Bien, ce... Ah, mais il est tellement god tier, quoi. Oh là là. Kabir feu, on va partir sur un petite montée d'XP. Oh là là. Oh purée. Pas mal. Là je suis un peu jaloux quand même. Ah. Kevara, 4 pierres de plus avec les fragments. Ah d'accord. Oui, les fragments, vous voyez déjà il commence à essayer de m'arnaquer, mais quelle espèce d'escroc. C'est moi qui me fais arnaquer dans le. Donc il faut que j'aille jusqu'à 46 et pas 50. Ah, exactement. Petite... Tricheur! Oh, ça y est, tout de suite. Tout de suite. Sentinelle. Y'a pas d'étincelle, quoi. Y'a pas d'étincelle, quoi. Où sont les étincelles? Où sont les drop rates, quoi? Allez! Étincelle, ça c'est parti, là. Ok. Arcageur, c'est un 3 étoiles, ça rapporte. Ça fait 2 points. Mission accomplie, d'accord. Et tu mets pas les points à jour. Tu mets même pas les points à jour en direct. Je mets pas en direct. Ah yes! Le petit Kabir qui tombe, ça c'est un point. Bravo. Bon, moi je suis à 5. Ah, hein. Un proc. J'ai un proc. Ah. Un gargouille. Bon. T'es dessus. Bon, c'est la gargouille. Je suis à 5 et toi tu es à combien? Je suis à 5. T'es à 5 aussi? Oui. Ah, les étincelles. Ça va tout changer, tu vas voir. Ok, petit félicor. R, c'est 2 points. Hop. Suis donc... un proc. À 7. Oh mais non, mais t'arrêtes un peu. Oh, Yukiona. Yukiona. Yes. Ça c'est 3 points pour toi. Oh là là, Yukiona. GG. Nice. Putain, mais il a déjà 2 nouveaux monstres, quoi. Et arrêtez de me carotte, je suis à 8. Je suis à 8, pas à 7. Oh là là, Yukiona. 8 à 7. Ok, ok. C'est serré, hein. C'est serré. On a fait serré. Un barème pour que ce soit serré. Pour que ce soit serré jusqu'au bout. Kabir. Voilà. Kabir. Oh mais non, mais t'arrêtes un peu. Kabir, oh, nice. Et si j'ai pas le Kabir feu, je vais être colère. Ça part en PLS. Hein. Oh purée. 9-7. Putain, il prend l'avantage. Ah là 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 là. 9-7.
Ok. Y'a plus de proc. Y'a plus de proc, bon. C'est parti. Mais moi non plus, quoi. J'arrive même pas à prendre l'avantage, là. Allez! Non! 9-7, c'est rien, c'est 2 points, oui, les amis. C'est 2 points, rien, ça c'est 1 3 étoiles. Un 3 étoiles. Allez, 1 3 étoiles. Bon, 1 3 étoiles, j'ai dit. Et j'égalise. J'aurais bien un petit 3 étoiles, moi aussi. Donnez-moi un petit 3 étoiles, au moins. Ou un 4 pour étoiles. Pour avoir le cabire feu, tu vois, les étoiles. Pierres. C'est clair, moi je vais ouvrir des pierres vertes. Allez, yes, des étincelles. Et c'est un Towerette. Ça Towerette. Nous fait 2 points. 9-9. Alors 9-9. Attention, c'est serré. Alors ça va être serré jusqu'au bout. Je suis stressé. C'est qui est revenu. Ouais, ça va être serré jusqu'au bout. Je suis stressé. On va faire en sorte que le barème soit serré jusqu'au bout. Oh là là. Toujours pas de proc. Allez, allez. C'est un celle-là. Allez, allez. Okay, marionnette sans c'est quoi le meilleur cabir? Écoute, le feu... A l'air, ouais, le feu a l'air vraiment fou, au-dessus des autres. Le feu avec le parasite. Yes, c'est le cabire feu. Bah voilà, c'est bien. Fallait qu'on en parle. Putain, la triche. Ah, un proc. Non. Putain, j'arrive pas à prendre l'avantage. Hein. Yes. Moi, je suis à 10. Putain, je suis content. Voilà, je suis content. 19. J'ai mon cabire feu. C'est ça, t'es à 9. Je suis content. Oui, c'est ça. Ouais, bah maintenant. Oh, un proc. Bon, c'est une vachette. Ouais, mais ça fait quand même 2 points, quoi. Ça fait 2 points, la vachette. Oh, c'est serré. Allez, moi aussi, j'ai un proc, là. Allez. Putain, crasse-en. Bon, ça fait 2 points. C'est le mec déçu. Je suis toujours un point derrière. Je suis toujours un point derrière. 13 à 12. 13 à 12. C'est serré. C'est serré. Allez, Kabir ? Non, pas Kabir. Pas de Kabir. Zut. Non. Alors. Pas de Kabir. Non. Ah, purée. Toujours pas de Kabir. Ah, yes ! Kabir Terre ! Kabir Terre. Et c'est 1 point, je reviens ! 13 à 13, mon petit Kabir ! Du coup, ça veut dire que c'est dur que tu les as tous, là. C'est ça ? Tous les je les ai tous. J'ai les 3 Kabir, c'est juste. J'ai les 3 Kabir. Non, j'ai pas eu le vent. T'as pas eu le vent ? Ah oui, bah t'as eu les 3 cabires, mais pas les 4. Et le terre. Le mec, le pire. C'est juste. Oh là là, serré. Par contre, là, moi je me fais chier dessus, hein, s'il vous plaît. Hilaire ? Écoute, Hilaire ? Tu peux réactiver ? Où sont les drop rates ? Ah yes, une étincelle ! Yes ! Ils sont où les 45% ? Ah, c'est croisé. un croisé feu, mais ça fait quand même 2 points. Croisé feu, ça fait 2 points. Alors, qui c'est qui et remonte à 15. Aïe, 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 aïe. Qui est prêt à 15 là ? J'ai la pression, j'ai la pression. Oh, back to back des étincelles. Oh là là, mais c'est pas possible, il s'envole. Samouraï haut, c'est à nouveau 2 points. Allez, donne-moi un panda, là, qu'on en parle plus. Yes. 13 à 17, bah alors qu'est-ce que tu fais? Bah, Kevara. Ah bah moi, ça je vois presque plus dans mon rétro, attends, là. Guy. Ah tiens, un proc. Ah merde. Eh, hey, deuxième cabire feu. Bon, triant. Triant, mais ça fait 2 points. Ça me fait même. Encore un point. Putain, mon dieu, quoi. Il y a 18. 18-15, mon dieu. Oh, tu peux m'appeler Mana, tu sais. Oh le mec, encore un proc, encore un proc. Oh non! Croisé feu. Ah moi aussi je l'ai eu. Oh yes! Allez la locatnate là. Locapa. Bon il est très bien. T'es à 20, il est très très bien. T'es à 20, du ça coup. Fait 2 points et il est très bien pour raid hein, les amis donc. Très très bon mob. Ah encore un proc? Mais non mais t'arrêtes un peu. Sorcière feu. Bon. Why not? Tu reviens, tu reviens. Hein. Attention, on est à 20. T'as un point derrière. Mais non, 27. 27. 19 à 20. 27 et j'ai encore un proc. Cap à terre. Ah bah tu repasses devant maintenant, ça y est. Oh purée. C'est compliqué. Ah hein. Oh, le cabire vent. Eh bah voilà, j'ai les 3 cabires. Excellent. Allez. Allez. Et je reviens à égalité. 21-21. 21-21. Mais c'est serré. C'est trop serré. Ah, c'est ultra serré. Donnez-moi un 4 stars. Hein. C'est ultra donnez-moi serré. Donnez-moi un 4 notes. C'est clair. Donnez-moi un panda que je prenne un peu large là. C'est ça. Que je sois tranquille à un moment donné. C'est chiant. Tanguy. Tanguy, remets le câble. Quelque chose. Remets le câble, s'il te plaît. Alors. Allez. Bon, je suis content. J'ai les 3 cabires. Par contre, j'ai 0 Yukiona quoi.
Ah, moi, la Yuki Onna Terre qui m'est bien. La Yuki Onna Terre qui m'est bien. T'as le Kabir Feu là, c'est mon premier parasite. Hein. J'avais jamais eu de monstre qui posait un parasite avant. Donc, je suis vraiment, vraiment ravi. Hein. Ouais, t'as pas eu. Y a pas un des. Oh, Kabir O. Kabir O, ça me fait un point. Mais non, il reprend l'avantage. Ça me fait un point. Ça me fait un point, monsieur. Putain. Aïe, ah, yeah, moi j'ai des étincelles, là. Non, ça cache en terre. Bon, ah, j'ai des étincelles. Non, mais t'arrêtes. C'est trop serré, quoi. Griffon terre. C'est trop griffon terre, serré. Ouais. On parle pas du griffon terre. Putain. Ah là là. 24-23. Aïe, aïe, c'est tendu. Oula, ça lag de mon côté. Mais mieux, tempête. Toujours une excuse. Toujours une excuse. Oui, bah. Toujours trouver une excuse, quoi. Allez. Yes. Mais yes, l'étincelle, là. Oh, griffon de terre aussi. Oh. Allez, remonte devant. Oh, 20, 25, 25, 24. Mon dieu. Yes. Il y a Tanguy dans le chat. Du coup, Tanguy, est-ce que tu peux rebrancher le câble, s'il te plaît? Parce que là. Là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Où est mon hiérophant? Ah, Proc, attention. Ah non! Putain, renard au feu. Renard au feu. Mais je m'en fiche, je casse tout. Tu prends l'avantage. 26-25. Oh, c'est tendu. Ouais, finalement, prochaine fois, on prend des barèmes plus élevés. Hein. Histoire d'être tranquille. Non, c'est très bien comme ça. Non, c'est bien comme ça. C'est bien. J'adore. Ouais, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir 15 points avec la Yuki Onna, quoi. Ça aurait été bien. Non. Putain, pas des pincelles, là. Ok, Diablotin. Ah, ils sont où, les 4 nattes? Bon, on se demande. Hein. Ah, où sont passées les 4 étoiles? Tanguy, tu les as données à qui? Ah, la sorcière. Oh là, la fameuse witch. Ouais, tu vas pouvoir la monter pour, très, pour très raid. Bien pour le raid. Pour très, la première bien, phase hein. Du raid, hein. Pour préciser quand même. Ok, limp feu. De mon côté. T'as eu quoi? Limp feu, mais c'est de la merde. Ah non, mais on s'en fout ça, pourquoi tu dis ça? S'en fout. Je m'attendais à un truc? Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Mais on s'en fout. Mais voilà, c'est comme ça que je joue avec tes nerfs, comme ça, on sait jamais. À ton âge, crise cardiaque, tout ça. À tout moment, tu gagnes par forfait. C'est ça. Alors, purée, il n'y a plus d'étincelles. Il n'y a plus d'étincelles non plus. Tanguy, s'il te plaît. Ah yes! Yes, l'étincelle. Ah merde. Ok. Ah, il remonte ninja devant. Terre. Ah, étincelle. Oh mais non! C'est que genre haut. Putain, mais j'arriverai jamais à rester en tête. Hein. C'est incroyable. C'est encore ce cas, bravo. Bravo. Et 10 000 bits. Oh, 10 000 bits, Stoka, mais t'es un malade. En total, ouais. Énorme. GG, Stoka. Bon, t'as toujours un point d'avance, quoi. Oui. Je continue de garder mon avance. C'est le moment pour moi de trop faire la différence, pour moi aussi. Là. C'est le moment de lui mettre un bon coup de coude dans la glotte et de prendre une longueur d'avance. Et c'est les étincelles. Oh oui, là, 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 là. C'est le 4-9 qui tombe. Le oh c'est là, 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 là. Yes. Ça fait 4 points. Ça fait 4 points. Yes. Oh là là, 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 il faut que je remonte. Bon. Yes. Absolument que je remonte. Il est trop beau. Oh là 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 là, là, là. Voilà, 4 points, mon petit pote. Oh là 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 là. Yes. Ah, il est beau. Et en plus, il est magnifique. Et en plus, avec le buff qu'il a eu, c'est vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment de... Oh, back to back des étincelles. Oh, mais c'est pas possible. Capa Tanguy, fallait pas juste mettre pour mana hein, les étincelles. Merci Tanguy. Merci Tanguy. Bon, c'est énorme. C'est énorme. Bon, putain, je veux le terre, quoi. Sortez-moi le terre, par contre. Hein. Sortez-moi le terre. Bah, moi, je l'ai, donc ça va. Je suis bien. Et t'as le vampire haut aussi, toi? Non. Histoire que je te déteste. Non, j'ai le vampire bon, terre. Bon, bah, ça va, alors. J'ai le vampire terre malheureusement. Bon bah ça va. Bon ça va. Bon s'il vous plaît, les étincelles à un moment donné. Ah bah voilà, fallait que j'en parle. Non mais c'est bon, laisse tomber, tu peux te rattraper maintenant. Quoi? Chaman de vent. Oh non, yes. Énorme. Putain, il est tellement fort. Ouais, c'est oh un doublon. Ah c'est un doublon. Ah trop moche. C'est trop moche. Ah mais en vrai, double trop, chaman trop bien. Double chaman R, ça se joue.
Bon, ça me fait 4 points. Double Shaman R, j'avoue, j'avoue, ça se joue, quoi. Merci Tanguy. Merci Tanguy. Tout le monde va croire qu'il y est pour quelque chose, le pauvre. Genre les gens ils vont commencer à dire les streamers, ouais c'est ils sont... dégueulasse. Ils sont boostés. Le pauvre Tanguy. Oh là là. Oh, encore un proc. Non c'est bon tu t'arrêtes maintenant. Putain il va me rattraper quoi. Et ben voilà tu m'as rattrapé. Ça rattrapé. Fait 2 points. Eh oui. Putain mais y en a marre. Oh là là. Compliqué hein. Quoi? Il m'a même doublé? Oui, je t'ai doublé, hein. On avait toujours un point d'écart. Mais c'est pas vrai, quoi. Bon, bah tant pis, il va me falloir un deuxième 4. Ouh là là, moi je veux bien un petit panda. Oh, un Kabir! Nice. Allez, mais c'est bon. C'est bon, là, j'ai une étincelle. Ok, un écraseur, boum, ça me rajoute 2 points. Allez, boum, on est à égalité, là. On est à égalité. On est à 35-35. On est à égalité. C'est tout peut arriver. T'as la pression, quoi. La pression avec ce barème. What c'est the énorme. Hein. Jusqu'au c'est bout. Génial. C'est génial. La génitaire. J'ai eu la génitaire. Très bien pour le raid, du coup. Mais on s'en fout. Oh, Kabir R. Mais non. Mais t'arrêtes. Putain, il reprend un point. Il reprend un point d'avance, quoi. Il t'en reste combien, invoqué hein, une vingtaine. Une vingtaine avec les légendaires. Ouais, bah... Je sais pas si on ira chercher les récompenses avant de faire les légendaires ou pas. Je sais pas, c'est égal, comme tu veux. On Parce peut. Ça, hein. Ce sera des 2-4 stars, donc en vrai, on peut. Je pense que ouais, je pense qu'il vaut mieux aller les chercher. Putain, c'est chaud là. Ok. Moi, ouais. Bon, je voudrais bien 2 étincelles, Tanguy, s'il te plaît. Putain, allez, moi je veux un. Putain de vampire haut là. Yeah. Ok, Arcane Bird, on s'en fiche. Ok, oh, étincelle. Non étincelle. Putain, encore une bitch. La bichette. La bichette. Bon, tant pis. Bon, un petit proc avant la fin, ce serait bien. Un petit back-to-back, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, un trait en feu. J'ai skippé l'étincelle, nice. Mais ça fait quand même 2 points. Boum. 38-37, du coup. Putain, il a toujours un point d'avance avec. Il a toujours un point d'avance. Yes! Kabir Feu! Et voilà! Oh là égalité! Là, il revient à égalité, 38, bravo. 38! Bon, le Kabir Feu, je l'ai eu 3 fois, donc ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'as de quoi l'évoluer. Je suis bien. À garder les doublons. À garder ouais, les doublons. C'est clair, gardez vos doublons. Allô? 56, c'est donc il m'en reste encore 10 à ouvrir. Moi, il m'en reste 8. Il te reste 8 pierres épiques. Ouais. Très bien. Trop fort le Kabir Feu. On est d'accord. On est quasiment en même temps. il devrait y avoir moins 1 qu'à skip. Ok, je skip plus, c'est promis. Okay. Allez, putain, mais je veux des étincelles, j'en veux plus là. Allez, dernière étincelle, s'il vous plaît. Tanguy, rebranche le câble. T'as fini? Non, il m'en reste 3. Il m'en reste 3. 4. Un peu étincelle, putain, j'ai cru avec la mission accomplie, j'ai cru que... Oh, Kabir! Kabir! Non! Putain! Kabir terre! C'est les mecs, ils sont contents parce qu'ils droppent le mob, mais ils s'en foutent en fait du mob. C'est juste parce que ça rapporte plus de points. Ok. J'ai pas d'étincelle. On est à 39-38. Oh, pas d'étincelle. Ah, pas d'étincelle sur la fin. Et dernière une gargouille. Pierre épique. Dommage. Alors moi, je suis sur une gargouille haut. Attention, allez. Dernière. Est-ce que tu vas avoir quelque chose de bien? Est-ce que tu vas avoir ton Kabir? Ah, j'ai pas d'étincelle! Bon, t'as un point d'avance. Tu mais. Un point d'avance. Il faut qu'on aille chercher les récompenses. Il faut qu'on aille chercher les récompenses. Tac. T'as un point d'avance. Oh la vache, toutes les récompenses. Mon dieu. Alors. Ah ouais. Ça fait un petit peu de récompense. 2, 3, 4, 5, 6 pierres. Et plus des fragments. 4 pierres aussi exclusives. Évidemment, il me propose d'acheter le pack. 4 pierres exclusives. Aïe aïe aïe. Et 5 pierres, 5 pierres exclusives en fait. Moi j'ai eu 5 pierres exclusives, je sais pas pour toi. Parce Hop. Que du coup t'en avais combien? T'en avais 17 les pierres exclusives. Moi j'en ai eu 4. Ouais, bah non, t'en as eu 6. T'en avais 17.
J'en avais 17 et là je suis à ah ouais. Oh, t'as 22. Ah ouais, donc j'en ai eu 5. Non, pardon, excuse-moi. Très bien. Et puis. Ah bon, on a exactement la même. On a exactement la même chose. C'est beau. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Du coup, alors donc, il te reste combien d'épiques à faire maintenant? 10. 10 en comptant les fragments. D'accord, ok, et eh ben c'est parti. On en fait 10, ensuite ouais. On ira faire les pierres exclusives. Exact. On finira par la légendaire, et on devrait être bon. Ok, alors c'est ouais. Parti pour 10 pierres, donc moi c'est 4 fragments et 6 pierres. Ouais, pareil pour moi. Très bien. Oh, proc, proc direct. Non, putain. Une vachette. Bon, une vachette, oh, ça fait 2 points. Putain, il prend trop l'avantage. Il prend là. L'avantage, bravo. Oh, bon, un petit point d'avance, quoi. Un petit point d'avance, s'il te plaît. Hilaire, Tanguy, moi je suis pour. Et... Bon, tout yes pas. Étincelle. Yes attention. Ah, ah j'ai eu un kabir. J'ai eu un kabir. Je l'avais pas vu. Samouraï, ça me fait 2 points. Du coup, tu montes à 40, moi je monte à 42. Toujours 2 points d'écart. Putain. Ah là 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 là. C'est bon, j'ai fini mes pierres parfaitement. Moi aussi. Donc maintenant, c'est 6. Ouais, c'est 6 normal. Donc je reviens à 46. Pas d'étincelle. Ok, toujours pas d'étincelle de mon côté non plus. Allez, une étincelle là. Donne-moi une étincelle. Une étincelle. Faut que je demande. Non. Samouraï feu. Voilà. Oh là là, mais il s'envole là. Je peux plus le rattraper. Yes, encore une sortie. Allez, il me reste 3 à ouvrir. Ah, par contre, ça m'a fait encore un succès. Ouais, ça m'a fait encore un succès aussi. Hein. Louveteau, on s'en fiche. Clairement. Je suis à 44. Alors, il te faut un 4 nat. J'ai plus le choix là. J'ai plus le choix. Attention. Bon, pas de proc. Est-ce qu'on peut avoir un kabir? Oh, pas de kabir. Pas de kabir. Bon. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, j'avoue qu'un point d'as. Pierre exclusive pas... Ouais, pierre exclusive. Dis-moi quand on en a 5 à faire. Ouais, bah de toute façon, j'avais que 5. Donc, ça va pas aller plus loin. T'es parti? C'est parti. Let's go. Allez. C'est maintenant le panda. Bon, pas du tout. Pas du tout. Bon, j'ai eu un fantôme. J'ai eu un fantôme. Allez. Toujours pas d'étincelle. Toujours pas d'étincelle non plus de mon côté. Oh, encore un fantôme. Je peux pas laisser Kevara gagner. Je t'ai dit que j'avais tout le vent Y. Yes, oh, kabir, un kabir. Kabir feu. Oh non, mais c'est bon. Putain. Il était content. Oh là là, mais non. Les mêmes mobs. Ah ouais, depuis tout à l'heure, on chope les mêmes mobs. MDR. Yes, une étincelle. Oh là là, c'est le 4 nat. Une étincelle. Et boum, c'est l'homme chacal. Oh yes. Oh là là, là, là mais non. Ah, yes, yes, mais yes. Mais non. Et ça fait 4 points. Et du coup, ça veut dire qu'on est à égalité encore une fois. Hein. On est encore une fois à égalité. Oui, oui, oui. Oh putain, 45-45, vous êtes 45, sérieux. Mais non. 45-45. Oh, un kabir. Voilà, j'ai eu encore un kabir. Oh mais non. Putain, tu vas pas mettre d'un point à cause d'un kabir, nom de Dieu. J'en peux plus. Oh là 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 là. Attends, tout peut changer sur les légendaires. On a eu des récompenses encore à nouveau. Hein. Ah oui, c'est vrai, tiens, on va regarder. On a eu des récompenses à nouveau. Parce que si après, si on a eu que des morceaux, voilà quoi. Si on a eu que des morceaux. Ouais, ça compte pas. Hein. Morceaux. Non, c'est des morceaux. C'est sauf des morceaux. Si ça complète peut-être une invocation, mais. En vrai, est-ce qu'une invocation? Ouais, non. Moi, je suis à 40 sur 50. moi, ça en complète une, mais ça m'en ferait faire une de plus que toi, quoi. Mm. Donc, ça serait pas juste. Donc, on va faire les légendaires. T'as combien de légendaires à faire? J'en ai que 2. T'en as 2. J'en ai que 2, ouais. Bon, 2 légendaires. J'ai 2 légendaires pour rattraper ce point de retard. Ah, j'avoue, attends, on me dit dans l'oreillette qu'il y a 10 pierres jaunes à prendre dans le jeu de guild, peut-être. Il y a 10 pierres jaunes? Il y a 10 fragments jaunes qu'on peut prendre dans le shop de guild. Shop de guild, c'est le shop d'arène. Shop d'arène. Tac, on peut aller faire ça. Allez. Hop.
Moi, je m'en fous, hein, ça me fait une pierre de plus pour te rattraper. Ouais, mais moi, ça fait peut-être une pierre de plus pour avoir un autre 4 nat. Bon, voilà, j'ai une pierre. T'as une pierre? Ouais. T'es Vas-y, prêt? bon pour la pierre. Moi, je suis parti. Ah, ok. Moi, je suis déjà parti. Alors, c'est parti. Oh, putain, alors lui, il est parti. Moi, tu vas voir, parti. Tu vas voir, là, je vais te... Bon, est-ce qu'on peut avoir un kabir? Kabir? Oh, pas de kabir. Ah, pas de kabir. Pas d'étincelle, peut-être un kabir? Peut-être un kabir? Non. Non, pas de kabir. C'est pour ça, au final. Bon, tu me bats de 1 point, j'ai 2 pierres légendaires pour attention, te battre. Attention, attention. Allez, pierre légendaire. 45-44, c'est ça le score? Oui, 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 c'est ça. C'est 45-44. Okay. Ou 46-45 okay. peut-être. Bon, en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Est-ce que je peux avoir un panda? Tanguy, s'il te plaît, mets le cap des pandas, s'il te plaît. Ah, t'es déjà parti, toi. D'accord. Ah, moi, je la touche pas, là. Je la laisse partir toute seule. Non, je crois que c'est un 3 nat, puisque j'ai lu la. Oui, c'est un 3 nat sur certains. Ouais, ok, bon bah voilà. Okay, toujours un point de retard. Et moi j'ai eu le Ninja O. Toujours un point de retard. Ça fait combien? Ça fait 48, 47 pour moi. Bon, moi j'ai déjà dernière pierre. Dernière pierre. De ce summon contest, les amis. Ouais, c'est la dernière contestation. Du coup, je l'ai dans le fion. Ah, pareil. Dans le cul la balayette, comme dirait un streamer de chez nous. Un cap à feu. Du coup, on est à 50-49. Mais on a eu des missions accomplies. Ah! Attention! Est-ce que c'est la pierre explosive? Bon, des c'est morceaux. Une pierre épique! Ah, une pierre épique. Bon. Une pierre épique. Est-ce qu'on. C'est des pierres qui grattent partout. C'est... On a encore une pierre épique. Ah, c'est le but, hein, c'est le but du Summon Festival. Hein. Une pierre épique. Ouais, une pierre épique. Allez. C'est là. C'est un là broc. Que je te rattrape. Un pas de broc. Non! Est-ce qu'on a un cabir? Non, pas de kabir. Ah, si t'as un kabir, ce serait. Un kabir ! C'est insane. Non ! Non ! J'ai gagné ! Yeah ! Kemara qui gagne ! Félicitations, Kemara, pour et avoir oui, remporté oui. ce summon contest. Je l'avais annoncé. Il est tellement serré ! Il me bat d'un point le dernier petit kabir au dernier moment. Oh là là, qui c'est beau. Lui fait prendre la tête. C'est beau, c'est beau. Ah là 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 là. GG, Kem. C'est beau, GG. C'est beau. C'était serré, hein! C'était ultra sacrément serré. Hein. Serré. C'était purée. Sacrément serré. Surtout sur les 4 nattes. What the fuck? Alors, les 4 nattes, écoute, on s'est bien fait plaisir. Bon, bah, toi, t'as eu un doublon. Moi, ça me dérange pas en vrai. Un doublon chaman vent, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Hein. Moi, par contre, c'est aucun doublon. Le Zélote O et le Jackal O. Pas de doublon, donc je suis plutôt ravi. Je vais continuer sur les pierres épiques, moi. Ouais. Toi, je sais pas, tu fais ce que tu veux de ta vie. Je vais m'amuser. Hein. On va voir, je suis toujours à la recherche hein, de mon vampire eau et de mon hiérophante de terre. Et moi je vais aller monter ma Yukiona, voilà. Ah, je vais monter ma Yukiona. Par contre, ouais, moi, alors c'est clair que le kabir feu, il va monter rapidement. Yes, une étincelle. Putain, c'est maintenant qu'elle arrive, elle. Super, hein, le Cyclope. Bravo, hein. Bravo. Hein. Ah, magnifique. Hein. Ah, on est ravis. Hein. C'est maintenant qu'il arrive, lui. Ça me faisait 2 points, boum, je repassais devant, quoi. Oh là là, la Yukiona, elle est tellement belle. Tellement belle. J'adore. Est-ce que je peux le wake? C'est une bonne question. Oh, je peux le wake direct. Paf. Direct wake. Et boum. J'ai même pas regardé les awakes. Genre, ah, Kabir feu, encore. Putain, je l'ai vu, Kabir feu. Non. Ouf. Une évolution résistance. Tristesse. Ah, ouais, c'est pas... Par contre, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le refil ATB. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal du tout. Ayuki Terre. Pas mal. Pas mal du tout. Allez, petite étincelle, là. Hop, hop, hop. Yes! Bon, ça sera un 3 nat, hein. On a eu l'event. Ah, dommage. Bon, ouais. le petit Fennec. Ouais, le Fennec. Le fameux Fennec. Le Summon Festival qui continue de proc. Encore avoir des trucs après. Oui. Tac. Je peux pas. Allô? Je peux pas la mettre en favori. C'est bon. Ah bon? Elle veut pas. Oui, non, j'avais. Non, en pas. Fait, tu vois, genre, j'ai une petite pop-up où il y a marqué ouais, nouvelle créature obtenue, regarde les filtres, machin bidule. Et du coup, ça m'empêche de cliquer sur favori. C'est un petit peu dommage. qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Les kabirs, évidemment. Les kabirs. Ah, le kabir feu, ouais. C'est vrai que t'as eu le chacal haut. Le chacal haut, en vrai, pas mal du tout. Hein. Chacal haut. Je le connais pas bien. Il fait polymorphe AOE.
Ah, Polymorph à vous, c'est ouais, cool ça. Oh là là. Oh, c'est un doublon. C'est un doublon, ouais. C'est un après, bon doublon. Après, ouais, c'est un très, très, bon très bon doublon, évidemment, hein, avec le raid. C'est un excellent doublon. Très, très bien, ça. Yes, cool. Donc, moi, je mets en favori mes cabires. Bon, très bien. Très bien. Très bon doublon. Ça va. Hop, cabire haut. Je vais tous les garder. Hein. Moi, je suis un rebelle. Je les garde tous. Oh yes, encore une étincelle. Putain, c'est maintenant qu'elles arrivent. Oh la succube, bravo. Ah, par contre, j'avoue, le géant qui arrive un poil trop tard. Hein, quand même. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il arrive juste après la fin, quoi. C'est un peu dommage. Hein. Ouais, c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage. Ouais. Hein. Oh, je suis très t'as même pas mis le score sur l'overlay. Oh là ouais, là. C'est vrai que je peux le mettre maintenant. Mais t'as combien? Rappelez-nous le score, s'il vous plaît. Ah, notre cabir haut. Le relou. Non, c'est pas ça. 50-49, non? Ouais, moi j'aime un ça. Un truc comme oui, ça. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. De tête, c'est ça. 50-49. Oui, d'accord. Putain. 50-49. Quel branlage je t'ai mis. Quel enfoiré. Tout ça à cause de son dernier petit cabir sur la pièce. Ah là là, mon cabir, mais c'est normal, c'est un petit cabir. Battu à cause d'un 2 étoiles. Mon petit pot de cabir. Ah là là, c'est beau. Allez, je suis bien content d'avoir donné des points au cabir. Hein. Parce qu'au final, le nombre de cabirs que j'ai chopé... Ah, une étincelle sur la dernière pierre épique, ça c'est cool. Attention. C'est une vachette. Ah, top à la vachette. je vais aller chercher mes petites récompenses. Yes, encore deux. Bon, Tanguy, dis-nous si on en aura besoin de plus de un doublon ou pas. Spoil-nous. Hop. Allez. Je vais garder un génie terre. Pour ceux qui ne le savent pas, le Géniter est un mob qui scale sur l'HP max, donc très intéressant en raid sur les phases 2 et plus. Bon. C'est l'alternative free-to-play des Katnats qui scale sur les HP. Spoil nous fait nous mal, toujours plus. Et ben voilà, donc je vais partir sur les pierres... Ah non, j'ai celle-là, c'est vrai. Ah, t'as une petite pierre de terre. De terre. Allez, là, c'est le hiérophante. C'est le cabire. Vas-y. C'est le cabire. Là, cabire. C'est le hiérophante. Tais-toi, toi. C'est le cabire. Ah non. Oh, oui, la mouche. Il ressemble à peu près au cabire. Yes. Ça ressemble pas mal, hein, j'avoue. Bon, j'ai une petite pierre pure. Sympa, les pierres pures. Les pierres pures, tu sais que c'est les pierres pures qui m'ont donné le vampire terre et le chamanois. Voilà. J'ai 19 pierres exclusives. À tout moment, il y a un panda qui tombe. Ah, j'avoue, à tout moment, il y a un panda qui tombe. Tout le moment, il y a un panda qui tombe. Ou pas. Ah. Panda terre. Tokume qui voit toujours plus haut. Ah, et le panda terre. Ça aurait été beau. Hein. Je dis pas non. Ça aurait été beau. Je dis pas non. Ah, j'avoue que le panda terre. Eh, un petit cabir. Un petit cabir. Petit cabir. Un petit cabir. Pareil, il arrive trop tard, mais petit cabir. Enfoiré. Ah non, mais moi je vais me la péter maintenant. Ah, petit cabir vent. Petit cabir vent. Lui aussi il arrive trop tard. Ah, je les ai tous. Par contre, j'ai aucune Yukiona quoi. J'ai tous les cabirs, mais aucune Yukiona. Au final, ouais, les Yukiona c'est pas si commun au final. Ah, mais non, c'est clair. Hein. C'est clair. Et encore un cabir. Bah tiens. Tu vas voir 50 fois la famille. J'ai perdu d'un cabir. Tu vas voir 50 fois la famille. J'avoue, t'as perdu d'un cabir. Tristesse. Ah là là. Allez, encore un. Allez, encore un cabir, vas-y, c'est la fête. Allez. Après, tu me diras, il y a que combien? Il y a que 3 ou 4 de nat. Je crois qu'il y a que 4 de nat. Ah, nice, Kaf qui prend la suite, bravo. Oh, une étincelle. Oh, mec, c'est le panda. Oh, la Yukiona. Oh, la Yukiona, c'est celle que j'ai, bravo. La Yukiona de terre, qu'est-ce qu'elle fait, déjà? Elle heal et... Ouais, elle heal et... C'est pas... C'est cool. Ça c'est cool. Amplification. Bon, du coup, il me faut un panda pour aller avec. Il me faut un panda pour aller avec toujours plus. N'oubliez pas de récupérer les récompenses de la quête de guild. C'est vrai ça. Ah yes, encore une fois. Allez là, le panda là! Non, calme pas. Pas du tout. Ça finit pareil.
Ah bah on a terminé la quête. Lol. La quête de guilde, on l'a terminée. Yes. Oh, what the fuck? Ah oui, quand même. J'ai eu 72 pierres. 72 pierres de feu. Du coup, je peux faire ah une ouais? invocation de feu. Voilà. Ah bah cool. Peut-être un cabir feu, qui sait? Quête de guilde. Ah oui, parce que tu l'as pas eu en fait. Deux. Le cabir feu? Si, si, je l'ai eu trois fois. Ah. Mais c'est pour avoir des points supplémentaires. Quoi, on a arrêté les points? D'accord. Yes. Hop. Tiens, j'ai un petit coffre violet à ouvrir. Pas mal. Ah, moi j'en ai bon paquet, je crois que j'en ai. Un avis sur la Yukiona O, très bon heal. Très bon healer. Oh yes, une étincelle! Parce que ça va être un super de fou. Allez! Ouais, oh, le kappa. Kappa. Petit kappa. Kappa. Petit kappa. Une petite pierre. Et moi, j'ouvre mon coffre violet parce que je suis un rebelle. Ah, pas d'étincelle. La petite pierre spirituelle. Bon, le panda là, c'est maintenant? Petit panda? Non, pas de panda. Bon bah voilà, écoute, du coup oh, il va falloir aller du monde. Faire les pierres. Regarde mon coffre violet comment il pue. J'en ai encore 19. Ah, ton coffre violet, montre-moi. Oh, il pue la mort mon coffre violet. Ah, il y a mieux, ouais. J'ai même pas eu une violette. 19 pierres légendaires encore dans cette semaine, hein les amis. Tristesse. Il y a moyen de choper quelque chose. 19 pierres légendaires. Ah, 19 pierres légendaires, oui, il y a bien y a moyen. Il hein. Y a bien moyen. Ouais, un griffon terre pour commencer. Ah, nice. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Purée. Allez. Panda là. Ah. Oh là là. Ah. Ah mais on sait que ça sera un 3 étoiles du coup. On a vu la. Ah ça me spoil là. Ah, ça la spoil. Quête, là. Bravo le spoil. Oh la vachette. Oh la vachette. Tant pas la vachette encore une fois. Bravo bon. Bravo. Un vampire haut. Un hiérophant de terre. Non, un kappa de terre. Bon, ils ont écouté l'élément, mais pas le reste. Ils ont écouté que l'élément. C'est ça. Putain, ça me stresse là. Attention les étincelles, encore une fois. Ah. Samouraï. Ah putain, ça sera un 3 lattes là. On a vu le truc qui spoil là. Oh oui! C'est le dragon! Oh là c'est là le là dragon! Là c'est le Zeros! Yes! Oh là là là. Yes, yes, yes! Oh le dragon! C'est le Zeros! Ah bah non, en fait, alors du coup, ça m'avait pas du tout spoil. Oh, c'est le Zeros, les amis! Yes! Oh là là. Il est tellement beau ce mob. Il est ultra beau. Et bizarrement, tu vois, c'est l'un des rares mobs que je préfère quand il est pas éveillé. J'aime, ah pas ouais leur, j'aime pas leur façon de voler quand ils sont éveillés. Je préfère quand ils sont au sol. Après, c'est une question de goût. Oh, purée. Mais yes meurs tout de suite. Jiraya va t'insulter. Mais il a déjà dû insulter sa femme avec ça. Hein, donc. Oui, c'est vrai. Emile, il l'a chauffé. Bon, allez. Hiérophante. Non, toujours pas. Ça ah ressemble bah, un peu. Ça, encore, tu vois, regarde, il a des ailes, pareil. Ça ressemble pas mal, Hiérophante Terre, regarde. C'est la version kawaii. On s'en rapproche. Moi je pense qu'on s'en rapproche. Trop bien. Allez là. Putain. Alors on est d'accord qu'elle. Statistiquement, je devrais avoir 2-4 nattes minimum. Sur les légendaires. Minimum. Non, pas minimum. Un minimum. D'après les stats statistiquement. Minimum. D'après les stats minimum. Oh, le fennec de terre. Ouais, ouais, c'est pas bon. Mal. Petit fennec. Bon, allez. Zilot de terre là. Oh, Yukiona! C'est bien, la feu, ça. C'est laquelle celle-là? C'est la feu, ouais. C'est la feu. Moi, je préfère la eau. Ouais, je pense que. C'est... Ah, aussi, quoi que elle peut être sympa. Mais elle est sympa. Elle est elle sympa. Peut être sympathique. Après, où est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est une bonne question, mais. Ouais. Mais elle peut être sympa. Hein. Elle peut être sympathique. Un Towerhead. Le Towerhead. Eh, ils peuvent être sympas, les Towerhead maintenant. Ah, ouais, non, en vrai, ils sont sympas. Ils sont en devenus vrai, sympathiques. Hein. Non, non, c'est clair. Grand proc, encore une fois. Bravo. Ah, allez! Si j'ai pas un deuxième nat 4, je serai en dessous des stats. Hein. Ah aïe, là aïe, là. Aïe, aïe, aïe. Il m'en faut un deuxième. Faut voir ce qu'il up. Ouais, faut voir ce qu'il up. Évidemment. Évidemment. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder les skill up de Mayuki. Tac.
Oh yes! Oh là 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 Yes, là là. yes, yes! Celui-là, il est tellement Oh bien, là il là est là là là. tellement fort! Oh, yes! Yes, Incroyable. yes, yes! Insane. Shaman O! Oh yes! Trop trop bien ce reste qui est juste complètement pété. Oh, je vais me faire une belle def arène avec lui et ma succube. Oh yes! Yes! Oh là là. Mais stop! Mais stop, manatière. Bon, bah écoute, c'est voilà, vrai, je suis dans les stats. Une summon Je suis dans les stats. Ouais, tu J'avais 21 pierres légendaires. Oh là là. Je devais avoir 2 catenates, c'était les stats. Je suis dedans. Je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous. Je suis dedans. Je suis bien. Je pas suis mal. Bien. Pas mal, bravo. Je suis bien. Bravo. Yes! Même moi, il me dégoûte. Et tu sais ce qu'il est en train de faire, Tanguy, en ce moment? Regarde, je te le mime. Allez. Tanguy, il fait ça en ce moment. Oh là là! Il débranche le câble. Il a débranché le câble. T'auras plus de 4 notes. Dernière pierre légendaire de cette summon. Attention. Allez! Allez! C'est maintenant qu'on défonce les stats! Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, t'aurais pu me la donner celle-là. Hein. J'en ai marre, je l'ai toujours pas. Hein. Je l'ai toujours pas celle-là. Oh putain, ça c'est de la summon quand même. Bah oui, statistiquement, il est dans les stats, il erre. Il erre, c'est vrai. Ouais, je suis dedans quoi, je suis dedans. Il erre, c'est un dev, mais voilà. Hein. Il sait pas que 10%, c'est. Normalement, c'est censé être dans les stats. Hein. Bravo. Ah là 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 là. Go le nerf. J'avoue. Part sur un nerf. Qui veut le nerf? Go delete son compte. De défier le pire. Il est dans ses bon, stats, bah voilà. C'est vrai qu'il est dans ses stats au final. Alors, du coup, j'ai... Ah putain, il manque une clé dorée pour avoir un coffre en plus. Ouais, c'est dans Trono Shop au pire. Putain, t'as vu le prix que ça coûte, toi? Oh, arrête de te plaindre. Pour. Le mec, il a 3 millions 6 de mana et... Ouais, oh, t'as vu le prix que ça coûte? Ça coûte 100 000. Enfin, ça coûte exactement 47 000, j'en ai pris une tout à l'heure. Ok. Voilà. Putain, je vais même acheter ça pour. Allez hop, c'est vraiment pas parce que c'est la fête. Hein. C'est la fête. Yukio supérieur à Druid R. Mmh. À tester. Ah, la Yukio, purée, elle est sympa. Franchement, hein. Faut la tester, hein, je pense. Ok, il y a donc. Hop. Beaucoup de coffres légendaires. C'est parti. Pour finir cette semaine, les amis, on est sur les coffres légendaires. Et boum! Oh là là, on n'a pas les mêmes coffres légendaires. Oh, il est beau celui-là. Genre, t'as vu mon coffre légendaire merde. Par rapport au tien? Oh la tristesse. Tristesse. Ah, celle-là, et celle-là elle, ah, est... elle peut être pas si mal. Ouais, bon. Elle peut être ok tier. Elle peut être ok tier, exactement. Deuxième coffre. Ah, ok. Oh, celle-là, elle a un gros potentiel. Hein. Elle a 5 subs ouais, et elle a fou, une sub speed. Ouais, pas mal. Hein. Celle-là, elle a un énorme potentiel. Pas mal du tout. Le coffre équivalent, c'est un shop. Exactement. Moi, je fais dans le shop. C'est pour vous prouver qu'on n'est pas tous boostés. Ah, celle-là, elle peut être sympa aussi. Elle a 4 oh, mais subs le mec, avec de quoi. La vitesse. Il n'y a que des violettes. Moi, je me fais chier dessus à longueur de journée. Il erre, fait quelque chose. Ah bah regarde, ça c'est un coffre à Kevara. Ah bah voilà, ça c'est un coffre Kevara tier. Ça... Exactement. Oh là là. Et combien de 4 nats? Il y en a eu, ah yes. Il y en a eu 4, c'est ça? Combien j'en ai eu, je sais pas. T'en as eu 3, t'as eu le dragon, j'ai t'as eu le chaman. Le jackal. Et le... Ah oui, t'as eu le jackal aussi. Le chacal, le zélote. Le chacal, donc ça fait 5. Le géant feu. Ça fait 5. Le chaman. Ah oui, t'as le géant feu aussi. Oh bah oui, toujours plus. Quoi. T'as vu qu'il en a eu 6 quoi. 6 ? Bah non. Ah si ? Si ? Je crois que si. T'en ah, as eu 5 encore ou 6. Un coffre à toi, mais t'arrêtes de mettre tes coffres dans mon stream. Non mais tu mérites, s'il te plaît, là. Tu mérites de connaître un petit peu la pauvreté. Ah, un moment donné, coffre pourri, là. Ah le dragon. Ah oui, c'est juste le dragon. Ça fait 5. Oh, oh yes, celui-là mais... il est pas mal celui-là. Oh putain, si la frenzy c'est une speed ou une attaque ah, pour cent, laisse tomber quoi. Oh là là! Yes! Non. Elle est pas mal! Si ça prend comme dégâts crit, what the fuck? Paf! Ouais.
Ouais, c'est pas terrible. Je Allez, zappe les boum! Xeros. Non, je peux pas taper les Xeros, mais mais du coup, ça fait quoi? Ça fait. T'as eu ton gobelin, ton Xeros, ton. Zélote, Jackal et Zélote, géant. Chacal et Géant. Ça... Ça fait Ouais, si, 5. ça fait 5, quoi. Ça fait 5 plus le mien, ça fait 6 en tout. On a eu 6 nat 4. Comme quoi, vous voyez que j'ai Ça pas la même chance, c'est quoi. ton coffre, hein. Ça c'est Ça, ton c'est mon coffre encore. coffre, Qu'est-ce qu'il fout là exactement. ton coffre? Exactement. En plus, j'ai eu quasiment le même. Il me J'ai vraiment eu reste quasiment le 2. même. Manette, je fais du vaudou. On se demande, hein. On se demande. Oh là là, encore une speed. 14 de dégâts crit de base. Bon, c'est une apaisement, hein, Ouais, mais bon. après, ça peut aller sur un train en feu. Sur un train en feu, ça peut être pas mal. À Ouais. voir. À voir, à voir. Oh là là, mais alors ça... Ah, c'est pas un légendaire celui-là! Ah ouais, c'était pas mal. Le dernier Non, c'était pas terrible. Le dernier, il t'a arrosé, tiens, hein. si, ça m'a ça m'a fini une pierre. C'est bon. Analyse. Ouais, non. Ah bah Bon! Eh ben, les amis, il est temps de faire le bilan de non. Oh, le cette bilan. summon. Bilan de cette summon. Pas mal de choses, Hop. hein. Pas mal de choses. En Au tout cas, une niveau des première. 4 nattes, Ouais, plutôt ravi. toi, t'as été plutôt arrosé, Le hein, géant feu, au qui final. est un doublon, mais qui est un excellent doublon, puisque bah, les bombeurs sont ultra utiles sur la vague 1 du raid, donc je vais le monter, c'est Et clair. encore plus en doublon, quoi. Doublon, c'est Ah tellement merde, fort. ça va finir là. Ah, j'avoue qu'il n'y a pas eu de Porda. Ça, c'est un peu dommage. Non, c'est vrai. Pas eu de Le Porda. dragon feu, ça, je suis très 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 content, parce Ah, qu'il est tu super m'étonnes. beau, c'est vraiment un monstre mythique, hein, le T'as intérêt dragon de le monter feu. pour AO. Donc, on adore. Yes! Le chacal haut, hop, qui attaque tout le monde et réduit leur défense et 70% de polymorphe tout le monde pendant 2 tours. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. 72. Pas Voilà, mal du moi coup. j'ai eu ça. Le chaman haut, qui est à mon goût vraiment l'un des meilleurs raids du jeu. Ouais, c'est vrai. Très, très bien. C'est vrai. Je Le suis d'accord. bouclier plus le reste, ultra fort. Et ce petit zélote haut, absolument magnifique, super beau. C'est clair. Les effets de lumière sur la côte de maïs, c'est juste magnifique. Purée. Et d'ailleurs, Très très beau. après son up, il est devenu très jouable, hein, je pense. Il reste mono-cible, mais il doit Ouais. avoir des dégâts de brut, quoi. Il doit avoir des dégâts de brut, Faudra hein. que je teste ça. Claire. Et puis au niveau des nouveaux monstres, plutôt pas déçu. La Yukiona de feu, la Yukiona De de terre. terre, et Et après tous les surtout, cabires. vraiment, surtout, Et tous les tous les cabires. kabirs, Ah, mais surtout le kabir de feu, le cabire de feu, quoi. qui est vraiment, Qui est. vraiment god tier. Ouais, c'est clair. Bah, pour un 2 Ouais, star, ce c'est parasite, insane. ouais, parasite, C'est clairement trop fort. Hein. ça va être génial. Très bien. Je vais mettre favori. Et Cabire de feu. voilà. Oh, il est tellement beau. Bon! Petit Eh bah cabire. écoute, mon petit Kevara, plutôt content de ce Summon Contest, même si c'est toi qui as gagné, je dois quand même avouer.